Allô, 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 et hey, et yo, 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 salut à tous, ici c'est Domo qu'on est parti du coup sur un petit replay de WC3, VC numéro 3, donc sur NetEase encore une fois, donc commentez in French, please, in French, please, avec du coup aujourd'hui encore une belle affiche, hein, parce que voilà, vous le savez, eh bien c'est NetEase, donc qui dit NetEase dit belles affiches, et donc qui dit belles affiches dit la game, s'il vous plaît. Hop, on est reparti du coup, boum, voilà, c'est parti du coup sur une petite map de Dalaran avec donc deux joueurs qu'on connaît plutôt bien, puisque ici à l'écran nous avons notre ami 120, le meilleur joueur à l'heure actuelle hein, sur Warcraft 3, toutes races confondues, donc le joueur Undead ici, donc qui a popé en haut à gauche en Undead rouge, qui nous open pas avec un premier cimetière, donc c'est, comment dire, éventuellement un T2 assez rapide de sa part, et donc il sera aujourd'hui opposé à Sok, le bien nommé, en bas à droite, donc en humain bleu, n'est-ce pas? Donc le coréen qu'on a eu l'occasion de voir plusieurs fois, qui a un très très bon niveau de jeu, et qui eh bien, va s'attaquer à la machine coréenne, à la machine Undead, puisque comme vous le savez, les Undead sont, sont tout simplement la race la plus représentée dans le top 5 à l'heure actuelle. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que va donner donc ce match-up. Du coup, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va plutôt bien, il fait beau, il fait chaud. Toujours pas de cimetière d'ailleurs pour notre ami 120 qui va peut-être la jouer avec beaucoup de ghouls en début de game pour un petit peu donc agresser l'adversaire. En tout cas, c'est un DK premier choix, hein, bien sûr. Pas de souci là-dessus. DK contre Archmage, le match-up classique, hein, Undead contre humain, qui est finalement en fait l'affiche classique aussi hein, de Frozen Throne, comme vous le savez. Frozen Throne hein, qui a amené le roi Lich, Arthas, le déchu. Et du coup, on va voir un petit peu donc, ce que ça donne sur cette petite map. On va voir donc rapidement qu'il y a une taverne au centre de la carte. Hein, donc éventuellement, des héros neutres qui peuvent popper, des gros camps de creep par-ci, par-là, notamment avec les camps de mercenaires ici. Le petit tacolite hein, qui vient scouter creep pass, le creeping pass, donc la route de creeping de son adversaire qui pourrait donc commencer par ici avec l'archmage et son élémentaire d'eau qui est, je le rappelle, un des héros les plus rapides avec lequel on peut creeper grâce donc à ses invocations. Le farcir en est un aussi, mais le farcir est beaucoup plus comment dire, beaucoup plus rare. Donc en premier choix en tout cas. Au niveau de la cure entre ressources, on est tranquillement. Les deux qui macro plutôt très bien. Alors quelle est la différence entre macro et micro hein? Vous le savez très bien, la macro-gestion c'est l'utilisation de ses ressources et de ses moyens de production. La micro-gestion c'est l'utilisation de ses unités sur la map. Un petit peu donc comment mouvoir ses unités, comment surrendre l'adversaire avec un petit zone de protection plus 3 qui est récupéré sur l'archmage ici. Et du coup le DK qui s'est fait un petit peu spotter, qui a pris donc, le bâton d'écromancie grâce bien sûr donc au tombeau des reliques. Et donc il va maintenant un petit peu, voilà, steal des unités directement en début de game ici. 120 qui n'en a rien à secouer, qui agresse donc son adversaire. Est-ce qu'on a un cimetière qui est popé? Bien sûr que le cimetière a été lancé. Donc les démons des cryptes, hein, pardon, qui vont être entraînés au fur et à mesure. L'archmage qui aura donc été ralenti dans son creeping ici. Belle opération de la part de notre ami 120, qui continue donc à rester avec son DK, qui continue à tuer des paysans, récupérer son XP le plus possible, le Deathskull étant un sort très utile pour ça. Et donc la petite tour des arcanes hein, qui a été lancée pour anticiper tout ça, essayer un petit peu donc de contrer ce rush de 220 ici, qui va donc passer je pense T2 incessamment sous peu. On voit qu'il a beaucoup 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 de ressources ici, I love candies, il aime bien les sucreries. Mais il a beaucoup de ressources en réserve, donc c'est bien sûr pour passer sur son T2. L'Archmage du coup qui va récupérer derrière son niveau 2, même pas. Encore une fois le style avec le Deathskull. Oh là là, mais quel poison ce 120. Quel poison. L'Archmage du coup qui a été vraiment très 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 longtemps délai ici. Et ça c'est tout bénef pour 120 qui pour l'instant joue virtuellement avec aucune unité. On voit qu'il passe donc sur son T2, il lance encore un Ziggurat. Puisqu'il est donc je crois supply block en fait hein. Oui c'est complètement ça. Il peut encore faire une araignée, pardon. 17 sur 20, il peut encore faire une araignée. Mais une seule araignée ce sera avec encore une fois le style. Ouh dommage, il a lancé un tout petit peu trop tôt ici notre ami Sok qui n'est pas non plus né de la dernière pluie. 120 l'a eu deux fois mais pas trois. Et donc il a tout simplement cancel son attaque avec ses unités pour ne pas donner donc, le kill au DK de son adversaire qui reste donc niveau 1. L'archmage donc maintenant niveau 2 avec donc l'aura d'illumination qui augmente sa régénération de mana. Vous connaissez très bien tous les bails possibles imaginables hein, sur la race humaine qui est vraiment classico. Pas assez de mana du coup sur ce DK pour faire un Deathskull malheureusement, parce qu'il va juste voir l'XP être récupéré hein, sur l'archmage de son adversaire qui récupère double gantelet de force ici, donc plus 600 force. Ça fait plus 150 points de vie si je ne m'abuse, si je ne dis pas n'importe quoi. Je vous invite donc à me corriger dans les commentaires.
Et du coup, ça continue hein, tranquillement. On voit du coup qu'on est passé hein, sur les 32 pop des deux côtés. Ici, 23 contre 28. Le plus 3 ici qui sera, si c'est encore un grand effort. Non, quand même, voilà. Chausson d'agilité, plus 3. Le dégât du coup qui s'est pris quelques petits auto-attaques. Et en plus avec le style de l'araignée ici qui donne encore plus d'XP à ce dégât qui au final va passer niveau 2 sans avoir creepé un seul camp de creep. S'il continue comme ça. Le dégât qui est ultra actif pour l'instant. 120 qui a fait une excellente opération. Le T2 hein, qui va se finir incessamment sous peu. Les araignées qui continuent donc à s'amasser pour le joueur undead. Attention encore une fois au descoil pour style le bandito. Encore une fois, vous êtes sérieux, il file encore. Même son niveau 2 ici. Ultra actif ce 120. Ultra actif. Et au final, il est complètement revenu au score en termes d'XP. Bon, même si l'arc-page a encore un petit avantage. On voit vraiment qu'avec les araignées qui commencent un petit peu à s'amasser, les footmen prennent super cher. Et donc Sock, qui lui aussi donc est passé T2, hein, je ne l'ai pas encore scouté, avec donc sa forge, toujours pas de celle des arcanes, qui devrait donc être lancée incessamment sous peu, pour choper dans quelques petits items, et ensuite donc pouvoir transitionner donc tranquillement sur des brissors, hein, qui sont vraiment l'unité de base pour l'armée humaine, puisqu'en face, eh bien, il y a quand même des gros dégâts magiques. Pas de héros neutre hein, pour le joueur undead, puisque vous le savez très bien, c'est la liche qui est en préparation. L'abattoir donc qui est lancé pour faire quelques petites statues d'obsidienne. Et donc directement le T3 qui a été aussi recherché. T3 pour notre ami 120, qui va donc être confronté à des fusillés et au MK. Donc une armée à base de nains. Toujours pas de technologie récupérée, pas de posture défensive hein, pour les footmen. Et donc on va juste rester en population pour l'instant. Donc le MK en second choix a un choix agressif avec son Stormbolt qui peut être assez synergique en fait avec les fusillés. Puisque les fusillés donc, ont quand même une assez grosse attaque à distance. Et donc si Emmy il fait un Stormbolt hein, sur par exemple le D4 de son adversaire ou sur la liche et qu'il focus absolument tous ses fusillés hein, sur cette unité, eh bien cette unité va mourir d'une mort atroce, transpercée de toutes parts. L'item qui ne peut pas être récupéré puisque l'inventaire est plein, mais donc le MK qui va surgir de cet altar et donc ainsi pouvoir récupérer son premier item donné complètement hein, sur un plateau d'argent. Alors que bien sûr ça script là aussi hein, pour 120 qui va donc tenter de récupérer son niveau 2 avant son adversaire sur cette liche. Hein. Et donc ainsi pouvoir choper l'armure de glace et aussi bien sûr le Frostnova qui d'ailleurs a été récupéré en premier choix. Donc un choix pour vraiment le creeper le plus vite possible. Avec en plus une baguette de vol de mana, ça c'est pour le coup un très bon item. Le switch avec les bottes de vitesse hein, qui ont été je pense achetées, non qui ont été lootées. Qui ont je crois été lootées, oh, je ne sais plus, je suis navré. Ma mémoire me joue des tours. En tout cas, le MK qui devrait récupérer son niveau 2 très très vite ici. La liche aussi d'ailleurs. Avec donc ses premiers items. En plus, avec un petit item d'intelligence plus 1. Donc quelques petits points mana en plus. Et bien sûr, hein, des dégâts en plus. La liche qui va être vraiment l'unité à focus. Qui donc chope son niveau 2 ici tranquillement. Des cas presque niveau 3. Des scolds presque niveau 2. Ça peut faire très très mal. Alors que le MK lui se la joue tranquille. Il va vraisemblablement donc clean son expand ici, le joueur humain. Sock qui n'est pas vraiment inquiété pour l'instant. 120 qui fait de même. Hein. Qui clean lui aussi une expand. Alors est-ce qu'il va la prendre? Je ne pense pas. En tout cas, il n'y a pas d'acolyte qui vient. Le T3 qui est presque fini. Les statues qui vont commencer un petit peu donc à s'amasser là aussi. Hein. Et donc, bien sûr, l'amélioration de destructeur qui devrait être récupérée le plus vite possible. On a les canons longs hein, pour augmenter donc la portée des fusillés. Qui vont vraiment être utiles hein, pour sniper le destructeur à distance. 600 de portée, c'est plutôt stylé. Les premiers prêtres aussi hein, qui commencent à sortir. Les briseurs qui devraient suivre aussi. Avec donc une seule Arcane Sanctum. Donc un seul Arcane Sanctum ici pour notre ami Sock. Qui va vraiment donc la jouer avec beaucoup de fusillés finalement. Je pensais qu'il allait donc switcher hein, sur double Arcane Sanctum comme c'est fait en général. Mais non, pas du tout. Sock qui en plus récupère donc le plus en attaque, il me semble bien. Pour donc ces fusillés qui font maintenant 19-28 de dégâts. Et donc l'item qui est une petite corne de défense, corne de lion de Stormwind, hein, plus ça en défense, plus ça en armure plutôt. Donc sur toute son armée, ça c'est plutôt un bon item. Avec donc double abattoir qui a été scouté pour le coup ici. Hein, double abattoir qui a été scouté par Sock, qui en plus donc a forcé un TP pour son adversaire avec un fétiche de vitalité hein, qui a été pris donc sur la liche, qui en plus avec la catacombe va pouvoir récupérer donc cette orbe de corruption, hein, cette orbe des ténèbres. Qui va donc faire très très mal, là voilà l'orbe, qui va donc maintenant commencer un petit peu à appliquer donc ce debuff d'armure si cher à son cœur, avec un MK qui a plus 6 d'armure s'il vous plaît, un MK tank donc, avec un troisième héros, je l'ai même pas vu ici, mais bien sûr c'est le Crypt Lord,
avec du coup l'empalement de zone qui projette complètement dans toutes les unités dans les airs et qui en plus donc fait des gros dégâts avec un petit stun. Ça c'est plutôt stylé. Oh, encore une fois du coup le sol hein, qui vient sniper un footman, deux footmen qui tombent quand même très très vite pour le coup. Ça fait des gros dégâts de zone entre le Frost Nova et l'empalement. Les dégâts de zone sont juste insane ici pour le joueur Undead qui en plus devrait peut-être essayer donc de sniper ce MK qui a en plus le talisman d'esquive hein, donc plus 40% d'esquive pour ce petit MK qui peut donc un petit peu se la jouer un peu risqué, même s'il est vraiment quand même en contact ici, il peut se vraiment... Oh, il va se faire même complètement sniper du coup. Ah, non, il commence à sortir, vous êtes sérieux? Grâce au petit soin des prêtres, 30 points de vie, 20 points de vie je crois même, hein, au plus bas. Le petit 120 qui n'a pas pu sniper donc ce MK, beaucoup trop tanky, avec donc ses anneaux de protection. Et donc la B2 qui est complètement en train de tourner hein, pour Sock, qui pour l'instant est plutôt tranquille. La petite forme de destructeur qui a été recherchée pour les statues. Et donc c'est parti sur de l'abomination maintenant, des unités un petit peu plus tanky au contact, avec en plus la nuée maléfique pour faire donc un petit dot au corps à corps. Et ça continue hein, sur des fusillés prêtres. Donc pas de brise-sort pour l'instant, pas d'unité tank pour notre ami Sock, qui va donc se faire complètement contrer, hard counter même, hein, par les abominations qui vont être littéralement pratiquement imbutables par cette armée. Les rochers qui sont détruits pour donc révéler l'expand caché ici, avec un sorcier quand même niveau 8. Attention, on peut en plus faire creep jack avec donc encore une fois l'engagement de la part de Sock hein, qui est vraiment ultra agressif hein, dans la main de son adversaire, avec en plus un berserker qui a été récupéré au camp mercenaire. Pour le coup il y a quand même beaucoup de fusillés, les prêtres qui sont légèrement en avance, avancés ici hein, qui peuvent donc se faire engager à tout moment si jamais 120 décide de venir défendre cette base, chose qui apparemment n'est pas donc dans son intention. Le snipe à distance avec le Stormbolt niveau 2 qui est bien sûr effectué hein, les acolytes qui tombent comme des mouches. Et en plus donc l'élémentaire 2 niveau 2 qui fait lui aussi des gros dégâts, avec une armée finalement à distance qui est plutôt bien effectuée, plutôt très bien gérée ici par Sock, qui en plus donc est à combien de population maintenant, 66 de population. Et donc 120 qui le scout juste maintenant, donc il lui aussi passe au-dessus de 52 pop. Mais est-ce que ce serait pas trop tard pour le coup du coup dans les airs, qui fait des gros dégâts avec l'empalement en plus, voilà, qui vient faire un bon gros stun plus Frost Nova sur toutes les unités à distance de Sock qui tombe vraiment très vite. Mais il en a encore beaucoup en réserve, il est, je rappelle, hein, sur deux bases, donc il peut vraiment faire des renforts à foison. L'MK du coup qui continue à tanker les dégâts de la liche, hein, qui vraiment se focus sur lui. Je pense pas qu'il aurait intérêt à faire ça, il aurait peut-être plus intérêt à sniper du coup les fusillés et les prêtres à distance. Pour le coup, le Cryptolk qui a failli se faire sniper grâce à l'assommoir, grâce au stunlock hein, du MK de Sock ici, 120 qui se la joue ultra défensif. Et j'ai l'impression que Sock arrive à tenir malgré le fait qu'il n'ait pas de brise-sort au contact. Les fusillés qui sont plutôt bien heal par donc les prêtres de son armée, et j'ai l'impression que Sock qui malheureusement va devoir quand même se replier. Attention ici, encore une fois le coup de Descon hein, qui est forcé sur le Crypt Lord pour le soigner, le MK qui prend quand même super cher, qui est du coup obligé de forcer un TP pour s'enfuir. C'est bien joué. Ouh, le snipe juste à temps à la dernière seconde. Le MK du coup qui se fait sniper malheureusement, Sock qui a pris un gros coup dur ici hein. S'il avait pu s'enfuir avec son MK, ça aurait été magnifique. Malheureusement, le MK du coup qui va devoir être régénéré à la taverne, donc il n'y aura pas de points de mana pour ce MK, ou très peu pour la prochaine fight. Et j'ai l'impression que ça, malheureusement, 120 l'a vu venir, et donc il va maintenant se mettre en chasse. Il va être lui aussi maintenant en posture d'agresseur avec un petit médaillon de 4 gars ici, plus 300 PV sur ce DK qui est juste ultra tanky. La liche aussi au final qui en plus a pris le sort de sacrifice hein, pour... Régénérer donc son mana en tuant une unité alliée. Et ça pour le coup c'est plutôt GG. Potion d'invulnérabilité hein, qui a été achetée donc au shop gobelin sur le MK pour ne plus se faire sniper donc son second héros ici, Sock, qui va donc encore une fois engager la main de son adversaire, qui va donc même faire du trade base je pense. La B2 ici un petit peu sneaky de la part de 120 qui a été complètement finalisée, qui n'est pas scoutée pour l'instant. Une B2 qui est relativement difficilement attaquable hein, parce qu'elle est vraiment derrière cette main. Et au final Sock qui joue le trade base avec 120 qui est dans sa main ici. 120 qui a d'ailleurs fait un carnage dans toute cette ligne de récolteurs ici, et qui quand même va pouvoir donc craquer son TP. Sock qui au final a forcé le TP, qui a plus de pop hein, 70 de pop contre 58, avec donc le MK qui est maintenant en contact. Il a récupéré le blizzard
pour un petit peu donc déloger ces unités à distance avec beaucoup beaucoup de fusillés, une armada de fusillés, 20-32 en dégâts, qui vraiment donc attaque littéralement ce Crypt Lord qui est au contact ici, qui encore une fois donc se soigne donc par un bon Deathskull, la petite liche hein, qui n'a plus beaucoup de points de mana mais qui peut toujours sacrifier une unité pour en récupérer à tout moment. Le MK qui reste au contact, hein, qui se fait bien charcuter, mais les prêtres qui sont derrière pour le soigner. Encore une fois, le coup de Crypt Lord qui est obligé donc de se faire soigner par un Deathskull. C'est des Deathskulls qui ne sont pas lancés sur les unités adverses, avec encore une fois pour le coup Blizzard, plus le focus des fusées qui tue. Du coup, le Crypt Lord, c'est bien joué ici pour Suck, qui avait une micro-gestion exemplaire. Le Blizzard, du coup, qui fait des dégâts de zone insane sur les démons des cryptes. 220, qui en plus donc perd petit à petit donc ses destructeurs dans les herbes, qui sont bien sûr charcutés, complètement troués hein, par les fusillés du joueur humain, qui pour l'instant garde sa position. Il y a tellement de fusillés, les premières dominations du coup qui commencent à sortir juste maintenant. J'ai l'impression que c'est un petit peu tard ici hein, pour 120 qui, s'il les avait eu avant, aurait peut-être pu gérer un peu plus. Du coup, l'abomination qui s'avance un petit peu toute seule, un petit peu présomptueuse ici. Hein. Cette abomination qui est bien sûr repliée. Il y a tellement de DPS, en fait c'est juste ouf. Il a 74 de pop. S'il arrive, si Sock arrive à maintenir 120 sur la défensive à 52 pop ou pas bien au-dessus, je pense que la victoire sera sienne. Avec du coup l'abomination qui vient au contact et qui est bien sûr stun par la sommoire donc du MK. Plutôt bien joué le MK du Healer qui est tellement tanky, qui absorbe littéralement donc, tous les combos hein, de son adversaire. Et au final ça réussit, hein. Sock qui réussit sans brise-sort à réduire en cendres l'armée de son adversaire. Ici l'abomination qui se fait en plus stun par le MK, bien joué. Il n'y a plus de Deathskull, malheureusement le cooldown du Deathskull n'a pas permis donc de soigner cette abomination. Et en plus donc le stun avec la sommoire sur la liche hein, qui... attention à elle hein, d'ailleurs. Hein. Parce que la liche là, ça peut très très vite tomber. Le MK qui va vite récupérer donc son Stormbolt. Il y a tellement d'unités, mais tellement d'unités ici pour Sock qui a 77 de pop, qui se prend quand même du coup un petit combo hein, sur son MK. Mais encore une fois, le MK qui est tellement, tellement soigné par les prêtres qu'il n'y a pas grand chose que peut faire 120 ici, qui juste vient déferler hein, sur l'armée à distance de son adversaire, qui ne peut juste rien faire ici, 120. Qui, dès qu'il avance cette liche, eh bien, se fait focus par tous les fusillés, les abominations du coup qui tombent au fur et à mesure, avec en plus donc le blizzard qui est lancé à foison sur les unités de corps à corps ici, donc 220, qui tente un petit peu un empalement en désespoir de cause, mais qui malheureusement n'est pas forcément le plus efficace, même si mais c'est un sort de zone, on voit qu'il n'y a pas assez de dégâts, hein. Il y a juste pas assez de dégâts, les heals des prêtres sont juste trop insane, 330 de PV, ce n'est apparemment pas assez faible pour 120 pour le sniper. Et au final, voyons un peu maintenant le dégât qui se fait lui aussi donc charcuter, l'abomination qui va je pense mourir sous le coup des fusillés, le petit Crypt Lord qui va lui aussi tomber, qui est encore une fois donc soigné par un Deathskull, mais c'est au prix d'une abomination malheureusement. Il n'y a plus beaucoup d'unités au contact, du coup le Crypt Lord qui va en plus donc récupérer la petite potion de soin ici. Et donc rester en vie, malheureusement voilà, il n'y a plus beaucoup d'unités pour 120 qui encore une fois donc fait un empalement pour un petit peu temporiser, mais encore une fois voilà. Le gros stun, le Stormbolt hein, qui vient donc donner le kill sur Crypt Lord. J'ai l'impression que 120 va devoir s'incliner face à Sock qui avec une compo d'armée pas piqué des hannetons, qui a pu du coup surprendre complètement 120, qui ne s'y attendait pas du tout à cette armée. Ou pour le coup là, son arc mage hein, qui a failli se faire sniper ici, qui s'est un petit peu trop aventuré dans les terres ennemies. L'arc mage hein, qui est vraiment le, comment dire, le fer de lance, hein, parce qu'avec son aura de domination, il est vraiment en train donc, de booster le mana à des prêtres qui peuvent soigner à foison les unités de, notamment donc le MK. Et j'ai l'impression que vraiment 120 s'est en fait laissé surprendre par le passage de population donc en coup d'entretien faible hein, de son adversaire. Et au final, c'est à partir de là, je pense qu'il a perdu la game. Il y a juste trop d'unités, je pense que c'est fini. Hein. 120 qui va en plus donc perdre cette catacombe au fur et à mesure, avec en plus donc les petits mortards. Je crois qu'il y a, il y a des mortiers, non? Non, il n'y a pas de mortiers, pardon. J'ai cru voir des mortiers, mais non, c'est l'attaque de la sorcière. Donc voilà, c'est fini. 120 qui s'incline face à Sock avec une compo d'armée. Oh là là, magnifique, magnifique cette game. Sock qui a juste absorbé tous les dégâts des combos des héros donc de son adversaire, et 120 qui n'a rien pu faire, littéralement rien pu faire. Là, ouais, c'est un petit peu Minas Tirith, hein. Minas Tirith, complètement Minas Tirith ici. Le petit 120 qui donc s'incline. J'espère du coup cette game vous aura plu, une vraie belle game je trouve. Et du coup, bah, je vous dis à la prochaine pour un nouveau replay de Warcraft 3. Donc, commentez, vous savez, parmi les soins, d'ici la maçon. Donc, portez-vous bien et à la prochaine. Peace.